sur ce masque là, et dans ces cas là je suis plus rien quoi. Donc au moins je me servais à quelque, je servais à quelque chose, que je suis au service du diable quoi. Ouais, je sais.
quotidien avant de m'engager pour le diable, j'avais une peur. Non, j'ai toujours peur, même avec mon masque, j'ai peur des exorcistes. Donc le film que j'ai eu peur, qui m'a fait le plus peur en tout cas, c'est L'Exorciste. Très vieux film, mais il me fait toujours aussi flipper. Et j'ai peur de tomber sur un exorciste pour me démasquer, voilà, pour plus que le diable soit en moi, quoi. Voilà, que le démon sort de moi, et alors que j'ai pas envie. Enfin, voilà, bref, l'exorciste, quoi, je dirais. Question 3. Alors, il y avait question 1, question 2, là, c'est question 3. Question 3. Comme ça, j'y vais comme ça, avec ma cape et mon masque, bien sûr. Et vous ne savez pas tout, hein. Donc, voilà comment je serai. Je serai toujours Nightmare Mask, quoi qu'il arrive. As-tu peur des clowns? Oh bah non, j'ai pas peur des clowns. Au contraire, les clowns, moi, pareil, je les tue. Dès que je vois un clown qui fait le con, oh bah, t'inquiète pas que j'en fais qu'une bouchée, hein. Ça, j'en m'en régale. Je la calme direct, hein. Elle me crie à côté de moi, elle dit oh oh oh, tu veux que je te tue ou quoi? Voilà, bah, je la menace avec le cutter comme ça, et la femme sa gueule, hein, tout simplement. Enfin, à ma période, quand j'étais humain, bon, c'était différent. Quand quelqu'un me criait dessus, je criais aussi, en fait, voilà, en tant qu'humain. Mais là, en tant que Nightmare Mask, c'est différent, bien sûr. Question 7. Quel est le cauchemar le plus effrayant que tu aies fait, dont tu te souviennes? Ah, alors ça, vu que ça, c'est ma phobie, les cauchemars, justement. Enfin, en tant qu'humain, bien sûr. Sinon, j'ai pourtant rien. Mais mon plus gros cauchemar en tant qu'humain, en temps normal, ça a été rencontrer le diable en personne, tout simplement, et c'est chose faite, voilà. Et au final, le diable n'est pas si méchant qu'on le croit, mais j'avais très très peur de me faire tuer, d'être en enfer, tout simplement. En fait, je rêvais d'être en enfer, rencontrer le diable en personne, les démons, tous mes démons ressortir, tout ça. Mais maintenant, mais ça, c'était avant. En tant que personne à part entière, là j'en suis plus grand chose qu'un tueur, en fait. Il y a alors encore en question de situation encore débile. Question 8. Il y a une boîte devant toi et on te demande d'y plonger ta main, mais tu ne
isolé et personne ne le sait. Bref. Mais j'étais toujours accompagné. Voilà. Bref. Parce que comme ça, j'avais beaucoup moins peur et c'était plus marrant. Hein. Surtout quand j'étais à côté d'une fille. Je m'amusais à la faire peur aussi, bien sûr. Je m'amusais avec ça. T'es un vrai con pour ça, hein, avec les filles, hein, pour des trucs comme ça. Allez, question 10, la dernière question, enfin. Si tu devais incarner un personnage terrifiant, fictif ou réel, lequel incarnerais-tu et pourquoi? Enfin, perso, moi je suis déjà bien comme je suis, là, je suis déjà bien dans mon élément. Mais sinon, avant c'était... vu que j'avais peur de mes cauchemars, tout ça, je pensais à Freddy. Hein, Freddy, avec la fameuse main qui coupe. Voilà. Voilà. Freddy. Voilà. Pour moi, ce serait Freddy. Je rêve d'avoir des mains. Enfin, je rêve d'avoir des doigts. À chaque doigt, une lame. Une lame coupante. Comme Freddy. Voilà. Mais sinon. Je sais très bien comme je suis. Voilà. Et ben voilà, maintenant vous avez fini. Enfin, j'ai fini avec les questions. Questions maintenant. Il est l'heure pour moi de vous laisser. J'espère que vous allez relever de ce défi, hein, mes chers. Mes chères futures victimes, hein, je dirais. Donc je répète, hein. Sur ma liste noire, je pourrais dire. Voilà. Azanuta SMR. Murmure et cyanure. Feria ASMR. Et Remède ASMR. Je compte sur vous. Ne me décevez pas. Sinon, vous allez voir, c'est. C'est. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah. C'est mon heure en ce moment. Maintenant, je vais devoir vous laisser.